Alors, bonjour à tous et bienvenue pour ce tout nouvel épisode sur Cities Skylines. Alors, vous pouvez voir, on commence assez difficilement. On est sur une voie qui passe à travers l'eau. Voilà. Là, je vois des jolis petits bugs. Hop. Alors, il faut bien que je ne me trompe pas. Parfait. Ok. On va du coup s'occuper de ça directement. Alors je vois que ici ça va, c'est ce chemin ici. Et là aussi ou pas? On dirait que ça va là. On va essayer de descendre. Ici, on est à quelle hauteur? Douze. Écoutez, on va essayer de voir ici si ça se voit ou non. Ça n'a pas l'air. Ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que ici, du coup, si je refais ça, ça va se voir, je crois. Ah, je peux pas aller à travers. Ok, ben je crois vraiment que c'était un beau gros bug. Alors, on va avoir une petite... Ah, attendez. Intéressant, ça. Alors, je sais plus comment c'était. On va retirer ça. Alors déjà, j'ai enlevé ça parce que ça m'énerve. On va faire un truc qui est très très hard comme montée. Mais c'est pour être sûr. Alors, cette musique m'énerve déjà. Ok, autre chose, on va... donc vous voyez, ici on va avoir un peu de décalage, c'est normal. On va devoir tout connecter ici. Alors, je crois qu'on va quand même... je sais pas comment on va faire. Je crois qu'on va quand même mettre entre eux des petites routes. Hein. Sinon, ça va être vraiment trash sans ça. Disons comme ça. Alors ça, par contre, j'aime pas. Tac. Voilà, et maintenant, évidemment, ils veulent pas. Quatorze, ça devrait être bon, oui. On va voir, on va peut-être descendre le tout. Là pour le moment, j'aimerais bien tout juste tout connecter. Donc on va aller là et on va commencer à monter aussi. Je vais mettre à 14 comme je sais que ça marche. Autant en profiter. Voilà. Est-ce que 10 c'est bon? Alors 10 ça fonctionne aussi. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et on redescend. Parfait. Alors là c'est bon.
On va continuer, hein, du coup. Tac. Et hop. Parfait. Et ici, on pourrait essayer de faire un petit truc, hein. Est-ce que là il va accepter? Ah ouais, là il pourrait accepter. Ok, est-ce que tout est connecté? Alors, tout ceci ici n'est pas connecté entre eux. Voilà. Parfait. Comme ça, normalement, ici, ça devrait un peu se régler et on va pouvoir continuer. Alors, on va continuer notre petite zone ici. On va agrandir notre quartier. On va faire une route entre, peut-être. Ou alors... Non, non, non. Voilà. Comme ça, maintenant, on peut s'amuser à faire plein de petites routes entre... s'amuser comme toujours. Alors pourquoi, voilà, c'est parfait. Alors vous voyez, ça je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi est-ce que tout d'un coup il décide de plus vouloir. Ok, bah écoutez, on va commencer comme ça. Alors, on va du coup connecter toutes les choses ici autour, au moins. Paf, paf, paf. Super. On va faire un beau gros carré ici. Un peu là, un peu là. On retire celui-là, on agrandit ici, et on est bon, on va commencer, ah ben l'eau est déjà là, c'est parfait, ah peut-être pas encore ici, voilà, super, on va continuer à développer ici alors. Alors, problème de santé, on va d'abord régler tout ce qui est école ici, parce que on a des gros problèmes d'école, hein. On en a ici. Où est-ce qu'on en a d'autres? Non. Ah, ici on a des problèmes. On dirait que ça me fait plaisir. Ah, des problèmes. C'est pas le cas, hein, je vous assure. Parfait, parfait. Ok, ben on va continuer à faire évoluer petit à petit. On va voir ici. On va se rajouter encore une petite école là. Ou ici. Voilà. Ça fera du bien à tout le monde. Bon. Ici, on a des choses à régler. Et on va le faire ensemble, je crois. Alors. Donc ici, c'est d'office là. Ici, c'est à droite. Ou par là, et ça c'est là, paf et paf. Ok, maintenant du coup c'est à la normale.
On continue comme ça, on peut aller là. En fait, ils peuvent jamais aller sur la troisième bande, mais ils peuvent toujours. Ouais, là j'avoue que la troisième bande sera jamais utilisée du coup. On peut carrément les faire aller là aussi. Alors, ça ne veut pas. Pourquoi? Ouais, c'est ici que ça bloque, hein. Je crois qu'ici je dois bloquer carrément. On pourrait leur dire d'aller par là. Et que ici, ils peuvent pas aller sur la troisième borne. Enfin, là, sur la première borne. Vu qu'ils peuvent tourner ici à droite, ça pourrait être intéressant. Ou alors, on les oblige à d'office. Est-ce que j'ai quelque chose de prévu autre part? Non. Donc en fait, je pourrais très bien leur dire, vous ne pouvez pas aller là. Et si vous voulez aller, justement, si vous voulez continuer, il faudra aller sur l'autre bande. Ok, alors ça, c'est mort, hein, comme d'hab. C'est-à-dire que ouais, ils sont obligés d'aller là, ceux qui vont ici. Ça peut-être pas. Ah oui, ici aussi je les fais aller là. Ah, peut-être pas, hein. Ça, c'est un peu con, je trouve. Enfin, non. Le problème vient d'ici, alors, déjà. Il y a deux bandes qui arrivent et c'est sur une bande. Déjà ça. On a déjà trouvé une partie de la cause. Voilà. Alors déjà, si on est en 3 et en 5, on devrait avoir 5 bandes. Mais on va laisser pour le moment comme ça. On va juste s'occuper de dire, voilà, vous continuez comme ça, là aussi. Et là, vous allez... Alors, par là, oui et non. Dans le sens où ils peuvent quand même changer, je trouve. Ok, bah écoutez, je crois que ça va se fluidifier maintenant. Alors du coup, le problème vient ici. Hein. Ah, il y a un feu. Quelle idée de mettre un feu. J'aime pas les feux. Je sais que vous le savez, mais... J'aime le répéter. C'est fou, là, tous les feux qui sont activés. On dirait que... Il y a eu un bug... Ouais, c'était déjà activé que j'ai jamais vu ça. En tout cas, on a beaucoup de monde ici. Et on a des problèmes de santé. On a un hôpital. On pourrait en faire un grand maintenant qu'on commence à avoir des habitations aussi ici. C'est parfait tout ça. Ça va se passer. Je crois que ça va rapidement se fluidifier. Et surtout, il va falloir que, voilà, il commence à partir vers ici. Alors ça, on va peut-être modifier. Hein. On va rendre ça un peu plus joli. Voilà, c'est déjà un peu plus raisonnable, on va dire. Ah ouais, on peut carrément faire ça. Ok. Alors...
Ouais, on est nouveau ici sur un petit problème. Changement de bande en dernière minute. Je crois qu'on va le faire un peu avant le changement de bande. Oui, c'est ça, et on va pas faire traverser ici. Voilà, comme ça. Livre des marchandises. Ouais, non, mais ça, je suis pas chaud du coup. Voilà, ça va commencer à être un beau fluide, mais c'est vrai qu'un seul endroit, c'est pas super. On va continuer à voir. Alors, comment se passe ici notre petite zone? Plutôt bien. C'est assez cool. On va laisser continuer. Alors, niveau transport, comment se passent nos chers trains? Alors, la ligne, c'était la dernière ligne. Donc, la ligne 5. Ouais, on a pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, ça, c'est 3 passagers, mais vers autre part. Et ici, on a combien de personnes qui attendent? 159, 193, bah c'est parfait, on a un train, normalement ça devrait être bon. Ah, il y en a 164 ici. Et ça augmente un peu. Ou alors c'est diminué et ça a réaugmenté. En tout cas, c'est pas mal. On va peut-être à un moment donné mettre carrément un système de... On pourrait mettre les nouveaux bus. Hein. On pourrait mettre nos nouveaux bus. Mais on devrait aussi régler du coup les problèmes. Alors, j'aimerais bien savoir vers où ils vont. Dans le sens où... Ils passent principalement ici pour passer ici. Donc en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est tenter de dire, allez un peu tous à droite. Alors je sais, hein, j'expérimente ma théorie du on va tous à droite. Alors par contre, ils vont où eux? Alors il est directeur à la petite plateforme, pas mal. Et il loge à la résidence Vermont. Ouh, résidence Vermont, bonjour. Ok, on a un feu ici. Alors par contre, ce petit demi-tour là, on l'a vu, hein. Il est là. Alors je crois qu'on va enlever ce passage pour piétons. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Ah ouais, ils vont tous ici du coup. Dans les nouveautés ici. Est-ce qu'on a échangeur bus métro, métro et bus? Train et métro. Ah, on va tenter ça peut-être. Ah ouais, c'est à gauche et à droite. Ouh, ça me paraît très intéressant tout ça. Bah écoutez, prochain épisode, on s'occupe de ça. Ouais, on va s'occuper de ça. Ça peut être pas mal. Du coup, de lier les deux ensemble. On a un train qui attend là. On en a un ici. Alors par contre, ça je supporte pas. C'est distance des véhicules. Voilà, on s'en fout des distances. Tu pars quand t'es rempli. Alors il n'y a toujours pas de personne qui vient là, hein, d'ambulance. Ah d'accord. Et actuellement, je l'ai envoyé par où?
C'est pas très bien tout ça. De toute façon, on doit en rajouter une. On va la rajouter ici. Ça aidera grandement. Ah là là, ça me plaît pas tout ça. Ce qui passe ici en travers, j'aime pas du tout. Et c'est fou tous ceux qui viennent évacuer les habitants, mais non. C'est fou la nourriture là qui est... Ah, peut-être qu'au fur et à mesure elle disparaît en fait, c'est peut-être ça. Ok, on a en tout cas beaucoup de gens qui sont sportifs. Oh, ça vous dit pas qu'on essaie de faire une zone ici spéciale cycliste aussi? Oh, ça peut être intéressant. Alors ce que je vais faire, c'est je vais juste placer ça. Grâce à trolley. Bicycle and trolley. Ah ah, ben ça pourrait être pas mal. On va une fois voir. What? Il y avait autant de gens qui bossaient? Désolé. On va retirer ici. Ok, ben on va penser à ça pour le prochain épisode, mais franchement... Ah, mais ils seront sur cette bande-là. On verra. Ah oui, non, ils peuvent choisir de bande, hein, les trolleys. Ok, on va voir prochain épisode comment ça va se passer. En tout cas, j'ai hâte. Donc, on va faire les trains, on va les transformer train métro. Et en plus de ça, on va transformer toute la zone ici en zone spéciale pour les cyclistes. Super. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et du coup, ben, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.